En endurance moto, l'un des points clés est évidemment l'arrêt au stand. Cyprien, chef mécanicien sur la Yamaha 333, nous en dit plus. On avait toujours annoncé qu'on souhaitait acquérir le titre en stock avant de passer en EWC. Ça a été chose faite en 2017, où on a eu donc le titre en fin de saison, et donc on a souhaité passer en EWC par la suite. Motostock a un montage d'origine. On doit conserver exactement les axes, les étriers, tout ce qui est montage d'origine, alors qu'une EWC, on est complètement libre de faire des montages rapides. En stock, on ravitaille la roue arrière en 9 secondes et demie. Là, on est plus sur du 6 secondes. Et pour l'avant, on était sur 21 secondes. Et là, on est pareil sur du 6-7 secondes. Donc effectivement, c'est un gros gain, surtout pour le ravitaillement avant. Il y a le stress du fait de la nouvelle catégorie et des enjeux qui sont beaucoup plus importants. Mais au niveau de la mécanique, c'est beaucoup plus simple. Les montages rapides sont très fiables une fois qu'ils sont bien réglés et que les mécaniciens sont rodés. Alors sur une motostock, c'est énormément de travail pour répéter et acquérir le mouvement parfait. Donc au final, le fait d'aller plus vite n'est pas forcément plus stressant. C'est plus la catégorie qui fait que l'enjeu est plus grand, on va dire.